Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je voulais de faire tant. C'est de vous montrer toutes mes créations Fimo. J'en ai pas beaucoup, mais dans des catégories en tout, je pense que j'en ai pas mal. Voilà. Donc déjà, c'est une boîte comme ceci. Donc où il y a plusieurs catégories dans des compartiments qu'on peut faire. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Et donc, c'est toutes mes créations, oui. Et donc, c'est une ouverture pratique. Je trouve que c'est un truc superbe. Ça sent la Fimo. Donc, celle-là. Et ben, en fait, il n'y a qu'un truc. Une fiole avec des cannes Fimo. Et avec des microbilles, couleur bleu ciel, rose et blanche. Donc il n'y a pas beaucoup de microbilles blanches, mais il y a des cannes. Il y a différentes. J'ai mis toutes mes différentes cannes. Enfin, pas tout, mais. Bref. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc, deuxième compartiment. Donc là, c'est les fruits. Donc j'ai une pomme kawaii avec un ver de terre. Et moi, là, au début, je voulais pas mettre le ver de terre. Mais j'ai dit, ah, mais on dirait plus, je trouve une tomate, même si je sais faire des tomates. Ah, je pourrais faire ça, vu qu'une tomate, c'est un fruit. Bref. Voilà, donc j'ai rajouté le petit ver. Donc, même si j'ai la phobie de ça, faire un faux comme ça, mais quand c'est des vrais, je peux pas. Donc, voilà. Parce que je sens bien les commentaires. Ah, mais en gros, t'es une menteuse pour faire le tag, je suis bizarre. Tu dis que t'as la phobie des vers de terre, mais quand t'as fait un ver de terre, t'avais pas la phobie. Enfin, bref. Voilà. À part la bouche, je trouve qu'elle est un peu grosse, mais sinon, je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'avais testé un moule. Voilà. Un moule à fruits, mais où il y avait tous les fruits. Enfin. Mais il y en a qui sont dans des créations ratées. Donc on a une crêpe de raisin violet. Et une pomme. Voilà. Ensuite là, dans un peu les animaux, si on peut dire ça. J'ai qu'un truc. Un petit poulpe ou une pieuvre, mais que je trouve trop chou. Voilà. Ensuite, j'ai une tarte aux fruits. De me dire, ah mais t'as fait le reste tout blanc. Je n'avais plus de pâte beige, voilà. Mais en fait, la Fimo liquide, normalement, c'est transparent. Donc là, faisait jaune. Parce qu'en fait, à cuire, eh ben, ça me fait un côté tout cramé. Et voilà. Donc ça fait un côté tout cramé. Et donc, la Fimo liquide s'est mis à peu près en jaune. Voilà. Donc là, on est dans les trucs sucreux. Ensuite, on a une tablette de chocolat. On a deux nuts avec des pépites là. Et là, un genre de coulis blanc avec un cœur. Ensuite, un cupcake mais tout choupinou. Un sucre d'orge ou une canne de sucre, comme on met. Une lollipop lapin. Une lollipop de toutes les couleurs. Et ça, c'est trop beau. Donc, c'est un macaron papillon. Donc, les coques, ils sont de couleur rose pailletée. Donc, c'est texturé. La crème, elle est verte. J'ai rajouté un coulis violet, une guimauve bleue et blanche et deux chamallows blancs et verts. Donc, tout le monde dit que ça, c'est des chamallows. Mais vous avez faux. Ce que je vais vous faire la différence, les chamallows c'est des petits rectangles et tout, et les guimauves c'est des trucs comme ça. Oups, j'ai fait tomber mon maquillage, j'ai pas fait exprès, j'ai fait comme ça. Ils sont... Bon, je vais les retrouver après. Voilà, et pour faire dans ma fiole en fait... J'avais fait des chamallows. Mais ils sont trop épais. Et donc, je les ai
En fait, je les avais déjà coupés avant, mais tellement qu'ils sont épais, ils peuvent pas rentrer dans la fiole. Donc, c'est des chamallows comme cela. Tout petit. Voilà. Et donc, c'est tout petit, petit. Tout petit. Ah. Attendez. Excusez-moi. Ensuite là, oh, ça me saoule. Donc on a là qui a qu'un truc. Donc ça fait partie de la musique, un saxophone. Sauf que là, ça fait un petit peu trop des zigzags, j'aurais dû faire comme ça. Mais vu que le blanc, il a à peu près cramé, voici le derrière. Voilà. Je suis très déçue, mais bon, tant pis. Ensuite, ça, j'ai fait ça avec ma grand-mère. Donc c'est un petit panier, donc pas dire, ah mais c'est moche et tout. Moi, je trouve ça mignon, donc voilà. Donc ce compartiment-là, là que je suis en train de vous montrer, il n'a pas franchement un nom. Un peu des choses. Ensuite, on a une plaque love. Un papillon que j'avais testé avec un emporte-pièce qui est de couleur violet, une couleur granit et jaune. Donc, granit, c'est un effet pierre. Et un amitié. J'ai d'autres amis, mais. Et voilà, les filles. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. Et voilà. Bye!